soit, on aurait de quoi faire tous les paysages du monde. Edgar Degas. Je suis reconnaissante à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de sa confiance et de soutenir toujours cet atelier qui est un des véritables poumons artistiques à Rabat. Un îlot de rencontres moléculaires et intenses, ouvrant l'œil et l'esprit. Merci aussi au laboratoire Langue, Littérature, Arts et Culture et à notre atelier de nous rassembler aujourd'hui autour de l'art. Je suis très heureuse de voir mes collègues, mes amis, des artistes rassemblés ici autour de l'art à l'Université Mohamed V. Et puis, je voudrais dire un spécial grand merci aux partenaires étudiants de l'atelier Arts Plastiques et Sciences de l'Art qui ont formidablement préparé cet espace. Il faut dire qu'habituellement, il est sens dessus-dessous, là, impeccable, et tout cela pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Vraiment, merci beaucoup et vous êtes exemplaires. Celle de Warhol. Sauce tomate. Je voudrais juste remercier le jardinier de l'université qui nous a prêté cette pelle. Et tout le monde concourt à faire exister cet atelier. C'est quasi une quasi-résistance. Même le jardinier nous aide. Et puis, je ne peux pas commencer ma conférence sans vous présenter Cultone. Notre plante qui nous accompagne depuis un moment et nous essayons justement à travers elle de symboliser cet espace comme étant un lieu de culture. Alors il faut dire que c'est un moment particulier du monde de l'art tout récent, fin 2019, que l'idée de cette communication sur l'art contemporain s'est de nouveau imposée. Je travaille sur la question depuis plus d'une dizaine d'années, à vrai dire. Pour avoir le droit de scotcher leur banane, une fois l'ancienne pourrie, à 120 000 dollars. Et donc, la remplacer continuellement. Et ce protocole à 120 000 dollars reste aussi aberrant qu'accessible. On peut acheter cette banane en définitive. La banane est probablement multivoque. Elle a plusieurs significations et ça va arriver évidemment par rebond, comme toutes les œuvres de Catelan. Son prix choisi nous livre quelques indices. Un indice. Sans ce prix, elle aurait été un produit de consommation courante transformé en objet d'art. Un indice. Aussi, une énième fois, une œuvre comme ça tend un miroir au délire spéculatif d'un marché totalement déconnecté. Et si elle avait dû être seulement le symbole de la surenchère absurde du marché, la banane aurait été affichée à 1 million de dollars. Mais elle reste accessible. Quel message continuera d'écrire cette banane ? En tout cas, scotché, mais pas par moi, ce n'est pas une œuvre d'art, par Marcel, par Catelan, absolument. Ça pose une question. En tout cas, cette banane-là pose la question de l'art contemporain
Ce petit jeu théorique qui dure depuis plus d'un siècle après les fameux ready-made de Marcel Duchamp, est-ce que c'est de l'art? Un jeu d'ailleurs que nous allons appréhender à travers, entre autres œuvres, L'appel à neige de Marcel Duchamp, Duchamp qui est absolument incontournable et nécessaire pour appréhender cette question de l'art contemporain. Regardons cette pelle à neige. Qu'est-ce qu'on voit? Une pelle à neige dans un musée. C'est un objet... Ah non, il a duré, il a autre chose. C'est un objet froid. Il est en bois et fer galvanisé de 132 x 35 cm et sur son manche est inscrit « In advance of the broken arm, 1915 » et d'autres références. Mais il y a quelque chose que je voudrais préciser. Il faut préciser que contrairement à la banane de Catalan, la pelle, comme tous les objets de Duchamp, au départ était invisible, même perdu ou donné à des amis. Il n'était pas fait pour rentrer au musée ou dans une galerie d'art, absolument pas. C'est une pelle élue de façon passive, indifférente, qui a mis d'ailleurs beaucoup de temps à devenir ready-made. Entre le moment de sa conception en 1915, où elle est devenue ready-made dans l'histoire de l'art, il s'est passé 50 ans. C'est au moment des années 60, la période des répliques. La petite histoire est laquelle? C'était à New York. Marcel Duchamp était avec son beau-frère. Il neigeait, il faisait froid. Il passe à côté d'une quincaillerie. L'idée vient, j'achète une pelle à neige. Et une pelle à neige. Il achète cette pelle. Il grave son titre sur le manche et la signe « From Marcel Duchamp ». Il la suspend au plafond de son atelier, donc à New York, et il écrit à sa sœur Suzanne en 1916. Je cite. « Écoute, ici, à New York, j'ai acheté des objets et je les traite comme des ready-made. Tu sais assez d'anglais pour comprendre le sens de tout fait que je donne à ces objets. Je les signe et je leur donne une inscription en anglais. Je te donne quelques exemples. J'ai par exemple une grande pelle à neige sur laquelle j'ai inscrit en bas « In advance of a broken arm », traduction française « En avance du bras cassé ». Comme nous le savons, le mot « art » signifie « fabriquer », faire de sa main. Au lieu de le faire, je le tiens tout fait, alors même qu'il a été fabriqué dans une usine. Mais ça n'est pas fait à la main. Ainsi, c'est une manière de nier la définition de l'art, la possibilité de définir l'art. On ne définit pas l'électricité, on ne peut pas dire ce que c'est, mais on sait ce que cela fait. C'est la même chose avec l'art. On ne sait pas ce qu'est l'art, mais on ne sait pas ce qu'est l'art, mais on sait ce que ça fait. Il est un point que je vais établir très clairement, dit-il. C'est que le choix de ces ready-made ne fut jamais dicté par quelque délectation esthétique. Ce choix était fondé sur une réaction d'indifférence visuelle assortie au même moment à une absence totale de bon ou mauvais goût. En fait, une anesthésie complète. Fin de citation. Il y a quelque chose d'important à noter. Duchamp ne rejette pas toute instance de jugement, mais attend un consensus éclairé qui dépasse ce simple livre. Alors, qu'est-ce que fait l'expérience de cette pelle à neige? Qu'est-ce que fait l'art contemporain? Que nous dit-il de notre monde? Pour répondre à cette question,
il me semble capital d'élucider d'abord la définition de l'art contemporain tout court, puis, corollairement, poser la question de la pertinence de l'identité de l'art par rapport à cette définition. Je crois qu'entendre l'art actuel qu'on nomme communément et souvent d'une façon problématique contemporain est étroitement lié à la compréhension de notre siècle. Quel nom ou adjectif nous est-il possible de donner à notre époque ? Contemporaine ? Que veut dire être contemporain et relativement l'art contemporain dans le monde ? Alors, une immersion dans la civilisation occidentale, qui est celle de Duchamp, naturellement, est incontournable. Elle nous conduira nécessairement vers la question du contemporain, susceptible de contribuer à la compréhension de l'art aujourd'hui. Car c'est dans cette histoire de l'Europe occidentale que ce phénomène d'art contemporain est né, évolue, jusqu'à inspirer, entre autres sources d'inspiration, les différentes créations artistiques d'aujourd'hui à travers le monde. À cet égard, la thèse de la fin de l'exception humaine par le philosophe Jean-Marie Schaeffer retient véritablement l'attention. Depuis le Moyen-Âge, là mes étudiants connaissent ça, depuis le Moyen-Âge, l'homme occidental possède une dimension émergente en vertu de laquelle il transcende à la fois les réalités des autres formes de vie et sa propre naturalité. Il y aurait donc la nature d'un côté et l'homme ou la culture de l'autre. Vous voyez que c'est ségrégationniste. Cette figure de l'homme occidental ségrégationniste a été irriguée par deux sources principales. Le créationnisme monothéiste et la pensée de l'incarnation. Le principe divin chrétien est pensé comme impliquant une élection de l'homme parmi toutes les créatures et que cette élection passe par une relation d'image stabilisée grâce à la figure d'un médiateur, le Christ. Aidant donc l'homme, marqué par la faute originelle, la chute, à restaurer son image, celle déchue de son créateur. Nous connaissons ça, c'est pardonné. De fait, ce passage du Dieu modèle transcendant, le Père, au Dieu modèle incarné, le Christ, a rendu possible à terme une intériorisation du modèle divin. Voilà, ça va être manifeste dans l'histoire de l'art. Néanmoins, l'Occident rencontre un paradoxe historique. Alors même que la figure de l'exception humaine trouve sa source principale dans la vision du monde chrétien, il faudra attendre la sécularisation. D'ailleurs, Marcel Duchamp l'appelle la sortie hors de la religion pour que la thèse de l'exception humaine soit formulée sous sa forme la plus radicale, telle qu'elle s'est imposée durant les temps modernes. Véritablement, dans ce grand mouvement de la sécularisation, c'est-à-dire ce passage du sacré au profane, dont le premier épisode se joue à la Renaissance, l'homme au centre des préoccupations, et dont le moment décisif se situe, pour aller vite, au passage du XVIIIe au XIXe siècle, avec le romantisme, l'exaltation du moi qui l'emporte sur la raison, puis le second épisode, l'art moderne, entre le troisième tiers du XXe siècle, avec le symbolisme et l'expressionnisme, jusqu'aux années 60, le pop art, l'homme occidental cherchera son fondement, sa consistance et la clé de son identité, non plus en dehors de lui-même, mais dans sa propre intériorité.
Et cette intériorisation de la transcendance amènera l'homme occidental à chercher désormais dans sa complétude, dans une image idéale dont il sera lui-même le créateur et la créature. C'est à travers cette histoire de la sécularisation occidentale que l'art en est venu à être investi par cette pensée de l'exception et de l'élection humaine. De la mimesis, souvenez-vous, jusqu'à la nécessité intérieure de Kandinsky, l'art, entre autres connaissances, comme médiateur, aidera ainsi l'homme empirique, défaillant car créature, à se transcender dans sa propre immanence. Nous trouvons donc, dans la sortie de la religion, autrement dit la rupture ou la modernité, toujours les stigmates du monde chrétien actuel. Aujourd'hui, cette conception ségrégationniste de l'homme occidental et de son art jusqu'à la modernité pose problème. Elle serait comme une induction en erreur, empêchant véritablement la connaissance de l'homme occidental et de nous tous en définitive. Les deux guerres mondiales, les explorations inédites de la psychanalyse, le désastre d'Hiroshima, la mort de Dieu manifestent l'erreur. Le monde est délesté de tout sens divin. Il est en deuil d'absolu. Duchamp travaille dans ce contexte où toutes les valeurs dont Dieu était le support, c'est-à-dire la vérité, le beau, le bien, l'unité, l'identité, se sont effacées. Essayons de voir ce qui serait possible en adoptant une perspective intégrationniste. Acceptons le fait que les savoirs portant sur des niveaux différents de la réalité humaine peuvent interagir et peuvent apporter des éléments à une meilleure compréhension de nous-mêmes. La biologie, la géologie, la neurologie, la psychologie, etc., la littérature, etc. La linguistique. Le langage. Le langage. Cela paraît évident. Et paradoxalement si sourd, quand nous savons depuis au moins un siècle et demi que les humains sont des êtres vivants parmi d'autres êtres vivants, que l'unité et l'identité de l'humanité sont celles d'une espèce biologique. Nous savons aussi que la venue à l'existence de cette espèce s'inscrit dans une histoire du vivant qui la déborde. Cette histoire elle-même, c'est le désastre. Cette histoire elle-même s'est déployée et se déploie encore sur une planète de moyenne dimension d'un système solaire quelque peu excentré dans une des innombrables galaxies qui peuplent l'univers. Vous voyez où on est là, les petites voilà. Du moins, l'univers qui nous est connu. Cette histoire et sa longue préhistoire nous ont fait au sens le plus littéral du terme. Nous sommes un des épisodes de cette évolution, sans fin assignée, qui n'est pas seulement notre passé, mais aussi notre présent et notre avenir, et nous ne saurions nous extraire de l'ensemble complexe et instable des formes de vie qui coexistent actuellement avec nous sur Terre. Cette vie non humaine constitue bien plus que notre environnement. Elle est constituante de notre être même, car en tant que forme de vie particulière, nous ne pouvons survivre que dans le cadre de l'écosystème précaire dont nous sommes un des éléments. Alors une hypothèse. Pourquoi tout ça? Est-ce que la prise de conscience
de cette réalité troublante, qui semble sans début ni fin, mais constituée d'une myriade d'alliances, de bifurcations tourbillonnantes, ne constitue pas l'être contemporain. Retenons ici ce qu'évoque le philosophe Jean-Clé Martin. Le contemporain, n'est pas cette temporalité classique et moderne, linéaire, qui se creuse dans la flèche que l'on pourrait nommer la fuite du temps. Le contemporain, c'est le temps qui bifurque sans cesse. C'est un tourbillon qui fait éclater l'idée de périodisation. Voyez cette image, c'est Internet comme rhizome. Le contemporain serait à peu près cela, c'est-à-dire un rhizome qui ne commence et n'aboutit pas, il est toujours au milieu, entre les choses, intermezzo, l'arbre est filiation, mais le rhizome est alliance, uniquement d'alliance. Le contemporain serait le « et » continuellement. Être contemporain donc exprimerait une mobilité, une temporalité où se superposent, se mélangent les strates de temps sans pouvoir rendre compte de la notion d'identité. Le contemporain, c'est le chaos et on est là-dedans, on est en plein dedans. N'est-ce pas donc du côté de la perspective intégrationniste que l'artiste contemporain travaille ? Dans ce sens, ne se distingue-t-il pas, par exemple, des artistes modernes en rupture avec le classicisme, tout en étant toujours constitué par la thèse de l'exception humaine ? Le contemporain, ce n'est plus cette thèse qui compte, non, non, elle est remise en question. C'est des questions. L'urinoir de Duchamp. L'arbre de Pénone, le caddie d'Hanson rempli de véritables emballages de produits industriels standards, l'âne de Gnouhoud, la soupe de tomates Campbell's, des emprunts aux cultures différentes et lointaines par Warhol par exemple, la cocotte minute de Bethel's Hemi sont autant de déjà faits, arrachés au quotidien, détourné, modifié ou non par l'artiste contemporain. Toutefois, ces nouvelles explorations à partir d'objets déjà faits, déjà là, que nous appelons contemporaines, sous réserve, car la question du contemporain demande continuellement un travail approfondi et difficile. Est-ce que ces œuvres-là sont véritablement artistiques? Est-ce de l'art? Reste donc à savoir comment un objet devient-il une œuvre d'art, photographie, installation, vidéo et autres. Est-ce une affaire de lieu, de qualité intrinsèque ou de regard? Vous pouvez prendre homo, titre, c'est la même chose. Ou la paix à la neige. Alors, une installation d'Andy Warhol, par exemple, un objet quelconque, exactement un baril de lessive de marque Brio, suffit-il de le transporter d'un étalage d'un supermarché vers un piédestal dans un musée pour en faire une œuvre d'art? Ou bien, celle-ci surgit-elle dès lors que l'on entasse plusieurs barils de lessive, créant un effet de masse, changeant notre perception ordinaire du baril. Ah, c'est peut-être là où l'art se passe. L'intention, ou mieux, la disposition de l'artiste, en l'occurrence d'en faire une œuvre d'art, suffit-elle à la reconnaître comme telle ? D'où
la question qui taraude le monde de l'art depuis plusieurs générations. Qu'est-ce qui opère cette transfiguration d'un objet banal en un objet artistique? Qu'est-ce qui opère ça? Les réponses ont été nombreuses. La réponse la plus faible, comme l'évoque Jean-Marie Schaeffer, et ça c'est la philosophie analytique américaine, a raison, elle est, la plus faible, elle est celle institutionnelle qui a été défendue aux États-Unis, comme j'ai dit, par George Dickey, disant qu'un objet devient une œuvre d'art à partir du moment où il y a une institution, là où les bonnes institutions qui décrètent que c'est une œuvre d'art. Pas terrible. Une autre piste. Arthur Danteau, philosophe et critique d'art. Selon lui, la découverte en 1964, dans une galerie à New York, des boîtes lessives Brio de Warhol, un objet de consommation courante, confirmait que l'art de notre temps est un produit intentionnellement proposé à une interprétation. Une interprétation, c'est-à-dire une atmosphère culturelle et théorique qui transfigure un objet banal en objet artistique et donc d'une certaine manière en un objet sacré provoquant une émotion pensante. Oui, parce que si on va dans ce musée-là et on donne un coup de pied à ce tas de boîtes de lessive Brio, on est condamné. On paye une amende et on va en prison. Donc, il y a eu, quelque part, une sacralisation de cette installation. Étonnant, ce n'était absolument pas la volonté de Duchamp au départ. Tiens, voyez comme les choses se transforment. Les ready-made ou objets tout faits nous fournissent un autre exemple, encore une fois, cette pelle à neige de Marcel Duchamp, intitulée « In Advance of a Broken Arm », en prévision du bras cassé, bizarre ce titre, que Duchamp n'a pas changé. Lorsque de simple pelle à neige, elle est devenue œuvre d'art. Et encore, je mets « œuvre d'art » entre guillemets, parce que pour Duchamp, ça ne l'intéressait pas qu'elle acquiert un statut d'œuvre d'art, le statut d'œuvre d'art. Précisons. Pourquoi les fabricants industriels de pelle ne peuvent pas fabriquer de l'art? Pourquoi le jardinier de notre super faculté qui nous a prêté cette pelle, eh bien, ce n'est pas un artiste et cette pelle qui est là n'est pas une œuvre d'art. Non, cette pelle qui est là n'est pas une œuvre d'art. Et pourquoi la pelle de Marcel Duchamp, celle qui est là, est une œuvre d'art? Eh oui, parce que Duchamp, c'est un artiste. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que l'artiste est celui qui désigne les choses. Et là, Duchamp ne transforme pas la pelle qu'il ne trouve ni belle ni laide, il la déplace. Duchamp nous propose une apparition déclenchant une dimension réflexive. Est-ce de l'art? Qu'est-ce que l'art? Voyez? Effectivement, l'artiste fabrique intentionnellement une chose qu'il entend de façon préméditée, présenter ou imposer comme étant de l'art. Finalement, une œuvre d'art est donc élaborée à propos de quelque chose, répond à un projet et elle est à cet égard signifiante. Mais cette signification-là ne serait pas perçue si cette prétendue œuvre d'art n'était pas identifiée et reconnue comme telle dans un contexte historique, social et culturel déterminé. Au XVIe siècle, elle est exposée au XVIe siècle, cette pelle à neige. Objet manufacturé. Eh bien, au XVIe siècle, elle ne peut pas être considérée comme une œuvre d'art, tout simplement. C'est une aberration. Si quelqu'un avait peint, je ne sais pas, au XIXe siècle, des tableaux perceptuellement identiques à ceux de Picasso, ils n'auraient pas été acceptés comme des œuvres d'art, puisque les outils conceptuels,
La théorie de l'art moderne permettant de les interpréter comme œuvres d'art n'existait pas. Ça n'existait pas encore. Et c'est l'interprétation évoquée tout à l'heure. Compte tenu de cela, il faut qu'on s'arrête quand même un petit peu sur l'intention encore de Duchamp, parce que c'était pas très clair pour moi, vraiment. Et puis il y a des Duchamp, chacun a son Duchamp. Il n'a pas toujours été conceptuel, Duchamp. Il était moderne. Qu'est-ce que fait l'expérience de cette pelle à neige? Puisque pour Duchamp, il est impossible de définir l'art, mais de saisir ce qu'il fait, qu'est-ce que fait cette expérience-là? Cette pelle à neige brise les codes. Elle nous fait faire un pas de côté. Elle déplace nos frontières. En effet, Duchamp fait feu de tout bois. Nous prenons conscience qu'il n'y a pas de hiérarchie entre haute culture et culture populaire. Et puis, on prend conscience qu'on ne peut pas réduire l'art à travers cette pelle à neige à la délectation de celui qui l'a fait, de celui qui regarde. Et finalement, l'intervention du goût pose problème. Elle n'est pas belle, on s'en fiche. La chose faite par elle-même, si elle survit quand même, c'est ça la question, parce qu'elle survit, elle est là sur les bancs de l'université marocaine, cette pelle à neige. Quand même, elle voyage. Cette pelle à neige, si elle survit, c'est qu'elle a autre chose que le goût, dit Duchamp. Elle a autre chose que ce plaisir sensoriel, momentané, sensuel, etc. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Mais ce qui est superbe chez Duchamp, c'est lui, l'artiste devenu conceptuel, il ne considère pas non plus cet avis comme le dernier mot, hein, le concept d'une question très complexe qu'est l'art, quand on creuse chez Duchamp. Et puis encore autre chose sur cette pelle à neige, en tant que grand public, nous avons notre mot à dire, on va dans un musée, on voit une pelle à neige, on a notre mot à dire. Et ajouter à cela, on peut l'acheter. On apporte notre argent. Et comme dit Duchamp, l'art est un produit comme les haricots. Loubia. Voilà. On ne distingue plus l'œuvre originale, là aussi il y a un autre point, on ne distingue plus l'œuvre originale de la reproduction. Ah, tiens, eh bien l'œuvre n'est plus du tout unique. Elle n'est plus immuable, elle n'est plus éternelle. Elle peut même se modifier avec le temps. Alors tout ça, c'est qu'est-ce que l'art contemporain? Est-ce de l'art contemporain? Est-ce de l'art tout court? Et qu'est-ce que l'art tout court? Alors est-ce de l'art? Plus, quand il ne... Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, Duchamp ne croit même pas à la notion d'art comme étant un statut qui pourrait être attaché à un sujet. La pelle à neige n'est pas promue en œuvre d'art. Moi, depuis tout à l'heure, je dis œuvre d'art. Pour Duchamp, il s'en fichait complètement. Après, c'est le marché de l'art qui a fait tout ça. Ce sont les institutions. Lui, il ne voulait pas promouvoir cet objet comme œuvre d'art, mais il voulait poser la question de l'art à travers cet objet. Pour lui, la réception est un mirage. Ces objets ne deviennent pas des œuvres d'art parce qu'ils ont été signés ou par leur disposition dans un musée ou une institution. Là, il y a un point très intéressant. À travers cette pelle à neige, quand même, nous sommes confrontés au hasard. Il a choisi la pelle à neige par hasard. Rappelez à New York. Ça aurait pu être autre chose. L'invention du ready-made est à relier au geste de Harpe qui réalise un collage en jetant les papiers au sol et il les colle comme ils sont tombés. Le hasard.
Et finalement, l'appel à l'ège ramène l'idée de la considération esthétique à un choix mental et non pas à la capacité ou à l'intelligence de la main. C'est un choix mental. Tiens, les surréalistes, c'est un super copain de Mallarmé. L'appel à l'ège, finalement, qu'est-ce qu'elle implique? Il n'y a plus problème d'engagement de l'artiste dans cette appel à l'ège, dans son œuvre, dans l'œuvre de Duchamp. Duchamp réagit contre l'excès de subjectivisme. Duchamp rejette l'investissement personnel qui nous pousse seulement à voir dans les œuvres le portrait des tourments de l'homme. Non, non, ça, il n'en veut plus. Ah, la langue n'est plus vecteur de sens. Vous vous rendez compte, elle s'appelle « En prévision du bras cassé », une peine à neige, le titre. La langue n'est plus vecteur de sens. Les vocables ainsi vidés de leur sens redeviennent disponibles à toute association. Et ça s'ouvre aux images, ça s'ouvre aux idées, très proche de Mallarmé. Et finalement, après toute cette réflexion autour de l'appel à neige, et qui est encore, elle n'est pas exhaustive, eh bien, l'appel à neige manifeste une attitude intégrationniste de Marcel Duchamp, en ce sens où, avec cette intervention du hasard, l'appel à neige de Marcel Duchamp est anti-cliché par excellence. Elle est libératrice. Elle est ce hasard que Nietzsche définit comme la structure même de l'être. Elle délivre l'homme de la croyance à la rationalité du monde, à un déterminisme logique ou à une finalité de l'histoire humaine. Seul le hasard, l'appel à neige, permet de rompre avec les conventions. Il est anti-bourgeois, Duchamp. Ça l'énerve, pour ne pas dire ça le gonfle. Finalement, cette pelle à neige est expérimentée comme un objet de pensée. En somme, toute cette réflexion conduit à supposer que l'art contemporain est un genre, au sens où le cinéma d'auteur est un genre de cinéma, la musique contemporaine un genre d'art contemporain, comme celle de John Cage, par exemple, ou encore la danse contemporaine de Merce Cunningham est un genre de danse. Mais attention, hier, j'ai eu un problème. J'étais super contente, l'art contemporain, c'est un genre. Mais non, mais pas que ça. Ben non, parce que j'ai découvert une superbe émission sur France Culture, avec des intervenants qui ont retravaillé dernièrement sur cette pelle à neige à cause du scandale de la banane de Catalan. Et puis, ils disent, mais bon, d'accord, mais c'est obsolète, c'est dépassé ça, c'est complètement dépassé. L'art contemporain, bon, pour Duchamp, à ce moment-là, des années 70, 80, 90, d'accord, c'est un genre d'art. Mais attention, l'art contemporain, tous les 10 ans, change, bouge, mouvement, il y a une créativité extraordinaire, un champ de tous les possibles extraordinaire. D'autres pensent donc que l'art contemporain est plus du domaine de la philosophie cynique de Diogène. L'art contemporain, c'est la philosophie du questionnement, mais aussi de la provocation. Et c'est plus à propos de ce qui se passe aujourd'hui dans la scène contemporaine. Alors, bref, l'art contemporain déplace les paradigmes. Le paradigme du monde, la représentation du monde, et de l'art, mais reprécisons, relativement à une civilisation occidentale, héritière de l'antiquité gréco-romaine, imprégné de la culture judéo-chrétienne liée au Logos, une civilisation aussi fécondée par la pensée arabe du Moyen-Âge, hélas
souvent éclipsée ou complètement éclipsée dans les livres d'histoire de l'art. Ça doit se réécrire. Je crois, je termine, je crois que cette pelle à neige de Duchamp ou la banane de Catalan, libératrice des clichés, appelle à la vigilance. Ces œuvres, finalement, dans le monde de l'art, ce sont des lanceurs d'alerte. Ils nous disent, la banane nous dit, mais attendez, vous vous rendez compte de ce qui se passe? Soyons vigilants. Je termine parce que je vous propose de le relire. Je cite, comment ne pas croire? Et vous savez, Deleuze, j'y ai pensé, toujours, mais j'y ai pensé particulièrement ces derniers temps avec ces biennales, ces décennales, ces saisonnières, ces foires, etc. C'est super, tant mieux, on est ravis, mais, restons vigilants. Comment ne pas croire à une puissante organisation concertée, à un grand et puissant complot qui a trouvé le moyen de faire circuler les clichés du dehors au dedans, du dedans au dehors. Le complot criminel, comme une organisation du pouvoir, va prendre dans le monde une allure nouvelle. Ce n'est pas du tout, comme dans le film noir du réalisme américain, une organisation qui renverrait à un milieu distinct, à des actions assignables par lesquelles les criminels se signaleraient. Il n'y a plus de centre magique, d'où pourraient partir des actions hypnotiques se répandant partout. Le pouvoir occulte se confond avec ses effets, ses supports, ses médias, ses radios, ses télévisions, ses microphones. S'il en est ainsi, comment ne pas croire à une conspiration mondiale, diffuse, entreprise d'asservissement généralisé qui s'étend sur chaque lieu de l'espace quelconque et propage partout la mort. Fin de citation. Question. Comment se donner une raison d'être? Un horizon au-delà des assouvissements ordinaires. Si nous ne percevons pas notre prochain comme un absolu, et non une simple chose signifiée par les clichés, comme déjà dit, que les médias, le monde du calcul et du spectacle infusent cyniquement. Un contre-pouvoir qui s'oppose à cette forme de domination est incontournable. J'y crois, dur comme fer. À ce titre, il me semble qu'il nous reste, entre autres, le travail indéterminé de l'art en général, de l'art contemporain comme esthétique du métissage en particulier, champ de tous les possibles, qui élargit la perception, défait les clichés, autrement dit, opère une reconversion du regard pour plus de bienveillance. Je vous remercie de votre attention. Heureusement, il n'y a pas de réponse. Comme je le dis, c'est encore Diogène qui se baladait dans les ruelles d'Athènes et il disait, le doigt levé au ciel, j'ai des réponses. Qui a une question? Donc, en effet, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voilà. Par exemple. C'est ça qui est superbe. C'est ça, c'est le chaos. Justement, ce n'est pas l'idée de périodisation, c'est justement l'entrecroisement de strates de temps et de références plurielles. Nous sommes dans la...